lisant ces textes, je me retrouve face à un document vide qui cache des arrière-pensées, de fausses analyses, de la mascarade, de désorientation intentionnelle. Monsieur le Président. Tout ça. Oui, Monsieur le Président. Je me retrouve, Monsieur le Président, comme en 2011, dans cette même salle, où on nous a mené une révision constitutionnelle à la sauvette et qui a été le moment fondateur du désordre qui est arrivé par après. Il ne faut pas qu'on tombe tout le temps dans la stratégie de bouc émissarisation. Tel a pris 3 millions, tel a pris 6 millions. Le million, on les prend ici. La désorientation se fait ici. Il faut donc que chacun puisse s'assumer. Lorsque nous prenons la responsabilité de changer frontalement une constitution dans la précipitation et d'organiser les élections comme dans une course contre la montre, il ne faut pas chercher des boucs émissaires. C'est vous, c'est nous, ici, nous les politiques, nous les parlementaires. Et chaque fois, en 2011, comme aujourd'hui, il y a une stratégie ou des stratagèmes d'instrumentalisation des désordres. Le collègue Nyarugabo a parlé de cela. Il s'agit d'une volonté. On amène les textes à la sauvette. On discute les textes, même le jour férié où Lumumba est mort. On nous distribue les textes à 22 heures. On discute sous les balles, sous les coups de feu. C'est ça notre démocratie piégée. Et c'est ça, Monsieur le Président, qu'il faut dénoncer. Une loi électorale, c'est la loi la plus importante dans une démocratie. Elle ne s'impose pas. Elle se négocie avec le partenaire. Ce n'est pas la loi de la majorité. Ce n'est pas la loi de la minorité. C'est une loi électorale. C'est la règle de jeu qui doit être acceptée par tous les partenaires. Donc, point n'a besoin d'aller se cacher dans les maisons, dans les restaurants-bars, pour boutiquer une loi électorale. Les conséquences, Monsieur le Président, c'est le désordre. Il faut que chacun s'assume. Alors, oui, ça c'est l'environnement. Vous l'avez bien décrit. Maintenant, qu'est-ce que vous reprochez à ces projets de loi? Je reproche à ces textes, Monsieur le Président, puisque vous me demandez d'y aller, quatre défauts d'origine. Premièrement, l'inconstitutionnalité formelle de cette loi. Deuxièmement, l'inconstitutionnalité substantielle de cette loi. Troisièmement, l'inopportunité technique de cette loi. Et quatrièmement, la nocivité de cette loi, Monsieur le Président. Je vais commencer par l'inconstitutionnalité de cette loi. Monsieur le Président, je vais aller très rapidement, mais je sais que vous allez me faire grâce aujourd'hui parce que, vous savez, j'ai trop souffert de ces élections pour que je ne profite pas. Des élections de 2011. Oui. Et vous m'avez dit, Joly, tu t'es décrédibilisé. Ce n'est pas moi. C'est ici on se décrédibilise. C'est ici où vous votez comme des serruriers. C'est ici où on crée le désordre. Monsieur le Président, ce texte est inconstitutionnel. L'article 62 de la Constitution dit « Personne n'est tenu, toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois. » Le projet de texte en examen veut, Monsieur le Président, lier l'organisation des élections à ce qui a été dit, l'actualisation de la liste électorale en tenant compte de l'évolution des données démographiques et de l'identification de la population. Le collègue Nyaburgabo a dit, on a mis ça seulement pour les élections présidentielles, pour le reste, on n'a même pas parlé de l'identification. Monsieur le Président, cette loi parle l'article 5 d'une carte d'identité qui serait délivrée par l'ONU. En fait, cette formule magique, qui est d'ailleurs reprise aux articles 115 et autres, mais l'article 237 dit que ça ne va pas s'appliquer aux élections de 2015, cette formule magique est inconstitutionnelle. Monsieur le Président,
La Constitution, à son article 211, dit ceci. Il est constitué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. Cette commission électorale indépendante, dit l'article 202, est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, etc. Dans la logique de notre système, nous avons volontairement choisi de ne pas mêler le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, des opérations électorales, y compris tout ce qui concerne l'identification et l'enrôlement des électeurs. C'est un choix. Et je crois que ce qu'ils l'ont fait, c'est comme ça dans d'autres systèmes aussi. On donne à la commission électorale la plénitude de pouvoir et de responsabilités sur tout ce qui concerne les élections, y compris l'identification. Pourquoi ? Parce que dans ces systèmes, on n'a pas confiance au ministère de l'Intérieur. Et l'ONIP, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le professeur Lumanu, est constitué dans son conseil d'administration par qui ? Un représentant du Premier ministre, un représentant du ministre de l'Intérieur, un représentant de l'ANR et un représentant de la DGM. Va-t-on confier notre destin ? Donc c'est un choix constitutionnel. L'option de notre constitution est de confier à la CENI la charge d'organiser librement et sans interférence les différentes opérations devant conduire aux élections. Cette option a été confirmée par notre législateur. La loi organique qui a été citée numéro 13/012 du 19 avril 2013 portant organisation et fonctionnement de la CENI, dit à son article 9.1 ceci. La CENI a comme attribution 1. Organiser et gérer les opérations préélectorales, électorales, référendaires, notamment l'identification, l'enrôlement des électeurs, l'établissement et la publication des listes électorales, le vote, les dépouillements, la centralisation et l'annonce des résultats. En écoutant le professeur Lumanu, j'avais peur. Il va même transmettre les résultats des élections. Ce n'est pas son travail. Il est chargé du recensement administratif. Il doit identifier les nationaux qui sont ici, comme il a dit, qui sont à l'étranger et les étrangers. Il n'a rien à voir avec les élections. C'est une compétence exclusive constitutionnelle de la CENI. Il faut que les choses soient claires. Et le point 10 de cet article, de cette loi organique, parce qu'ici nous sommes dans une loi ordinaire, qui doit donc respecter et la Constitution et la loi organique. Peut-on réviser une Constitution par une loi ordinaire ? Où sommes-nous ? L'article 10 dit ceci. Découper les circonscriptions électorales au prorata des données démographiques actualisées. Cette disposition existe depuis 2006, 2010 et 2013. Il n'y a rien de nouveau. Donc, la constitution du fichier électoral, la maîtrise du nombre d'électeurs par circonscription électorale, dans la perspective des choix des dirigeants d'une entité, est une opération exclusive de la CENI par la constitution. Il ne faut pas polluer la CENI avec cette histoire. L'ONIP, c'est bien, ça a été créé en 2011. Les 16 responsables ont été nommés le 24 décembre 2014, in tempore suspecto, eh ben, qui restait en dehors de cette affaire. Et la CENI est en train de travailler. La CENI est en train de mettre à jour le fichier électoral. Il y a l'argent qui est sorti. Pourquoi veut-on faire tabula rasa? Pour quel intérêt? Pour quelle motivation? Pour quel stratagème? Et lorsque j'ai lisé le document remis par le professeur Lumanu, il dit il existe un agenda commun entre la CENI et l'ONIP. On a négocié cet agenda commun où? Parce que l'ONIP est encore en train de se rechercher.
Et nous allons y revenir. Donc, je voudrais que nous soyons tous d'accord. Ce texte est anticonstitutionnel et ne répond pas à la vision de notre pays dans l'organisation des élections, qui est une compétence exclusive de la CENI. Je voudrais qu'on m'apporte la contradiction. Deuxième élément, Monsieur le Président, la violation matérielle de la Constitution. Monsieur le Président, notre Constitution dit dans le préambule que nous voulons bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit, une nation fondée sur une véritable démocratie. Et l'article 73 de la Constitution dit ceci, Monsieur le Président, que le scrutin du président de la République, je vais prendre mon texte pour être sûr que je n'invente rien. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président de l'exercice. C'est une disposition impérative. Ou la Constitution, c'est un texte de droit, ou c'est un chiffon de papier. Mais nous croyons que c'est encore un texte de droit qui est le socle de l'ensemble de notre ordonnancement juridique. Or, qu'est-ce que nous avons entendu? Je ne peux pas vous dire quand est-ce que je vais commencer. Ça a commencé avec le prêtre, ça continuera avec moi. Non, Monsieur le Président, on doit savoir, parce que nous connaissons la date de la fin du mandat du président de la République, le 19 décembre 2016. Donc, il faut nous dire, 3 mois à l'avance, quand est-ce que l'élection va se tenir. Les recensements, c'est une belle opération. La feuille de route de la ONIP, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Et ce qui est plus grave, Monsieur le Président, lorsque nous avons lu le professeur Lumumba dans ce document, qui d'ailleurs reprend l'intervention, son intervention à l'hôtel du fleuve, il dit, je peux vous donner les fichiers pour la CENI, ce qui n'est pas derrière sa compétence, et qui n'a rien à voir, dans une année. Cela, bien sûr, une fois levé l'hypothèque des contraintes financières et autres liées notamment à l'installation de la configuration des infrastructures des réseaux de télécommunications. 3 mois après, je ne sais pas s'il a levé toutes ces hypothèques, parce que, Monsieur le Président, il a dit qu'il lui faut 418 millions de dollars. Ça va tout, il n'a pas encore. Et d'ailleurs, dans ces 418 millions de dollars, Huawei, la société avec laquelle ils ont signé ces contrats avant même que l'ONIP existât, avait demandé qu'il donne 5%, soit 24 millions. Jusqu'à présent, on n'a pas encore donné. Bon, on peut toujours trouver parce que la CENI a eu 300 millions. Mais pourquoi la CENI a 300 millions du coup? Parce qu'on ne planifie pas les élections. Vous l'avez toujours demandé, Monsieur le Président, qu'il y ait une dotation à chaque budget. Et là, ça ne se ressentirait pas. Mais lorsqu'il faut chercher l'argent en catastrophe pour organiser les élections en course contre la montre, eh bien, il faut chercher l'argent et ça crée des problèmes parce que tout ce qui se fait contre le temps ne peut que échouer. Alors, voilà la structure de professeur Lumumba. Il faut un QG national où sera installé à Kinshasa un data center. En province, 26 data centers. Dans les territoires, 645 sites. Et il faut ajouter les communes. Au niveau des villages, 4950 kits. Alors, ça va se faire quand? Ça va se faire comment? Il a eu la courtoisie de nous donner un document sur le renseignement général de la population. Ça va au-delà de 2017 déjà. Alors, va-t-on nous amener, nous, vous, à violer la Constitution? Pour quel intérêt? Pour faire plaisir à qui? Il faut tuer les gens pour ça. Parce qu'il faut garder le pouvoir pour le pouvoir. Ah non, Monsieur le Président, je crois qu'il faut que chacun s'assume. L'onction populaire est importante, mais elle doit se faire dans le respect de la Constitution. Donc, il y a non pas seulement violation formelle de la Constitution, mais dans l'esprit. C'est pourquoi dans les textes, il y a beaucoup de non-dits. Au lieu de parler de recensement, on parle de l'identification nationale. Et parfois, là, on s'arrête. C'est ça le danger d'une législation à géométrie variable. Lorsqu'on veut faire des textes pour faire plaisir à X,
La loi doit être générale, impersonnelle et impérative. Alors, délivre une opportunité. Je crois que les collègues l'ont dit. Cette loi est en train de nous créer des problèmes pour rien. Le cadre législatif des élections est bon. Et quand on voit ce qu'on veut corriger, ça ne touche pas. On parle de la corruption. Qui corrompt dans le centre de compilation? Ce sont les candidats. Il n'y a aucune sanction contre eux. Le collègue Fatak Kabamba vous a parlé de la fabrication des listes, de la multiplicité des partis. Qui a créé des partis Vespero? AAA, BPP, c'est qui? Mais il ne faut pas qu'on se trompe et qu'on trompe nous-mêmes. Il faut qu'il y ait un minimum de volonté de bâtir un État sur base de la vérité et de l'amour. On a créé des mosaïques. Qui a créé des mosaïques? Où sont ces mosaïques? Où sont leurs sièges? Où sont leurs élus? Ah non! Parlons peu, parlons vrai, et ce pays va aller mieux. Donc, on n'a pas besoin de ça. La CENI a déjà reçu plus de 30 millions pour réviser les fichiers électoraux. Il n'y a aucune recommandation des observateurs demandant l'identification nationale. On demande la fiabilisation du fichier électoral. On demande la rationalisation des bureaux de vote. On demande l'installation de la Cour constitutionnelle. On demande la qualification des responsabilités de la CESAC et du ministère de l'Intérieur. Voilà des questions fondamentales que posent les élections. Ça n'a rien à voir avec l'identification nationale. Et je vais terminer par là. Monsieur le Président, cette loi est nocive. Elle nous divise. Elle tue. Chaque minute, chacun de nos téléphones nous appelle à Tchangou, Satir, à Mombele, on tue. Le vice-premier ministre, il est chargé de l'administration du territoire. Il n'est pas chargé de la comptabilité macabre. Nous n'avons pas besoin. Les Congolais sont déjà trop morts. Et nous n'allons pas rejeter cette loi. Nous allons demander au vice-premier ministre de retirer la loi et de laisser la CENI faire son travail en publiant un calendrier global, consensuel, avec toutes les parties prenantes et en continuant de manière participative le nettoyage du fichier, l'audit du fichier électoral. Tout le reste, Monsieur le Président, ne sont que des stratagèmes pour désorienter notre système électoral. Je vous remercie. Mmh.